dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. Say my name. Say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name. Say my name. If you love me, let me know. Premier départ de la journée, alors là, Starsky comme prévu donc, se précipite pour diriger le peloton. Il y a Dark Lab, Elite, Majestic Moon également bien parti, tout comme Eight Cities qui se retrouve en pleine piste, qui fait des efforts pour se porter à la hauteur de Starsky. Starsky avec Majestic Moon, Eight Cities, Dark Lab, Elite. Puis on retrouve Dante's Rock, Xanthus, Zen Zero, Shafaf, Redwood Valley et Line of Sight. Starsky ne laisse le soin à personne donc de diriger les opérations. Majestic Moon est débordé à l'extérieur par Eight Cities. Ensuite, on retrouve Dark Liability. Tout juste derrière, il y a Zen Zero qui va tenter maintenant d'améliorer sa position. Il va passer à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Xanthus. Il y a Shafaf, Redwood Valley, Line of Sight. Avec Zen Zero qui met la pression. Starsky à la corde toujours. Eight Cities entre les deux. Zen Zero en troisième épaisseur. Dark Lab, Elite, Majestic Moon. Xanthus maintenant commence son effort. Redwood Valley doit pouvoir se rapprocher. Shafaf et Line of Sight. Avec l'avantage pour Starsky. Eight Cities a une course certes difficile, mais reste dans le coup. Dark Lab, Elite en embuscade. Zen Zero derrière. Suivez la progression de Xanthus avec Aurélien Lemaître à l'entame du dernier virage. Starsky va lancer le sprint final. Starsky, 8 City, Xanthus arrive en pleine piste. Ensuite, Dante's Rock va peut-être chercher l'intérieur, mais Xanthus fait forte impression en pleine piste. Xanthus prend ses distances. Starsky à l'intérieur. Xanthus, Dante's Rock. Xanthus, Dante's Rock, Starsky, Redwood Valley. Xanthus, Raj Ramzin, qui nous prévoyait donc.
première course de la journée revient à Aurélien Lemaître et l'écurie de Raj Ramdin. Une victoire que vous attendiez, Aurélien, et qui vous fait vraiment plaisir. Oui, tout à fait. On vient ici pour gagner des courses. Donc, j'étais un peu frustré hier de finir second. Je commençais à penser que j'allais repartir sans gagner une course. Et voilà, c'est fait dès la première aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je pense que Raj Ramdin avait bien préparé les choses avec Zantouche, un cheval qui n'avait pas couru depuis un petit moment, mais qui montrait vraiment une très belle progression à l'entraînement. C'est un cheval très délicat, parfois il quitte sa nourriture, mais je ne l'ai pas trop bousculé à l'entraînement. Et comme hier, c'était une journée catastrophique pour moi, je dis cette fois-ci, il faut faire quelque chose et remercier M. Lemaître qui a monté main de maître Zantouche. Expliquez-nous justement cette course, le parcours et comment ça s'est passé. Comme son entraîneur m'avait dit, de partir un peu cool, de le laisser faire en partant et après d'avancer une fois qu'on avait passé la route. C'est ce qu'on a fait, on est parti, on s'est laissé glisser en dedans et dès qu'il y a eu le wagon de 3 qui s'est formé, on en a profité pour le suivre, gagner quelques rangs et dans le dernier tournant, on a déboîté et il s'est très bien répondu à l'accélération que je lui ai demandé. Cette ligne droite, ça monte hein, quand même. Ouais, ça monte, elle est vraiment courte mais très difficile. C'est pour ça qu'il faut préserver un peu ses chevaux en partant parce que là on part en montant. Et c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui ça a payé. Pour les chevaux comme Zantouche qui ont besoin qu'on leur laisse du temps, qu'on les écoute, qu'on les bouscule pas, un entraîneur comme Raj Ramdin qui est quand même très connu pour être patient avec ses chevaux, qui leur donne du temps, qui les emmène à la mer, qui est pas toujours en train de les bousculer pour avoir le rendez-vous là tout de suite, c'est vraiment de vous dont il avait besoin ce cheval-là. Ouais, mais il faut avoir la patience, si on n'a pas la patience, surtout si c'est un cheval délicat comme je vous dis, il quitte sa nourriture tout le temps et j'ai dû le calmer, il était un cheval qui s'excite de le nourrir et je l'ai pas, vous allez voir, je l'ai fait courir après très longtemps. Un autre cheval qui n'a pas couru, ça fait pas très longtemps, mais qui n'a pas couru depuis sa dernière victoire, c'est Bonjour Baby, qui va courir tout à l'heure. Alors c'est un cheval qui a donné à M. Ramdin une victoire dans une course de cavalière, c'était fin octobre je crois. On sait que Raj Ramdin aime beaucoup gagner, poser à côté des cavalières gagnantes, ça fait partie de ses objectifs. Parlez-nous de Bonjour Baby, comment va-t-il depuis sa dernière victoire ici? Oui, Bonjour Baby, très bien, et j'ai l'entraîné avec Zantouche, il a Roby Frad qui connaît bien la piste, qui est aussi un très bon jockey. J'espère que je fais la passe de deux. Et puis, tout à l'heure, bien sûr, il y aura le Longines Pheasantry World Championship for Lady Riders avec In the Trenches. L'an dernier, vous aviez gagné la course avec Social Network. Comment vous voyez les choses cette année? Ça va être un peu plus compliqué? Cette fois-ci, ça va être, je vais être très clair avec vous et très honnête. Ça va être très, très compliqué, mais je vais essayer mon mieux. C'est un cheval. Comment est-il à l'entraînement? Il progresse? Il est très bien. Il est très bien. Et Aurélien, d'autres belles chances dans la journée? Ouais, on a encore une chance en fin de réunion. Voilà, on espère remarquer des points au championnat. Très bien. Ben, en tout cas, bravo pour une belle victoire aux couleurs de notre pays, la France. Ben, quand je dis notre pays, moi j'ai un peu tendance à penser un peu mauricienne quand je suis là. Donc okay. On a toute une équipe franco-mauricienne, mauricienne, qui a réussi à faire une très belle victoire aujourd'hui dans cette première course. Départ de cette deuxième course, 1400 mètres à parcourir avec Sardenson FDIC également. Alors à l'extérieur, il y a Antwerp qui est bien sorti, Sardenson avec FDIC qui tente de se placer. Ensuite, on retrouve Antwerp qui est pris pour l'instant en épaisseur. Aspara en beau parcours en troisième position sur les barres pour l'instant Aspara. Donc Sardenson avec Antwerp à son extérieur. Ensuite, il y a Aspara, Avdic en épaisseur, Middle Path, British Pound qui court en 5-6e position. Et puis Strike qui est pris pour l'instant en épaisseur. À l'arrière, Common Sunny, Game Loft, Winter is Coming qui tente maintenant de déborder. Game Loft, Antwerp qui va faire la course à l'avant, environ 600 mètres à parcourir. Antwerp taquiné maintenant par Middle Path qui se met à l'extérieur. Sardenson, Avdic, AP Strike n'est pas mal. British Pound en beau parcours. Aspara sur les barres à l'arrière. Winter's Coming, style plaisant en main. Commande Sony et Game Loft qui va attendre la ligne droite finale à 400 mètres de l'arrivée. Antwerp toujours en main, mais attention à Middle Path, à Sardenson, à FDIC qui est bien en main, qui est lancé maintenant. British Pound à l'extérieur dans la ligne droite finale. Antwerp va essayer de partir à l'extérieur. Il faudra contenir l'assaut de FDIC à l'intérieur. Sardenson, Antwerp qui a toujours l'avantage cependant à l'extérieur. FDIC termine de plus en plus fort. Antwerp avec FDIC qui termine en bolide, tout comme British Pound. Antwerp qui résiste avec FDIC. FDIC à l'extérieur. FDIC, Antwerp. Avdic, Antwerp, superbe arrivée.
deuxième course de la journée pour un Jamie Alhosen très très motivé pour marquer des points pour lui-même et pour Maurice. Et on pense que son dernier break lui a fait beaucoup de bien. Oui, vous savez, c'est un jeune cheval, il a déjà gagné deux courses, donc on a besoin de lui l'année prochaine et peut-être l'année suivante aussi. Et donc on a attendu pour la journée internationale, parce que si vous gagnez aujourd'hui, vous n'êtes pas pénalisé. Mais je dois dire, très belle monte de Jamier, c'est un jeune très très prometteur. Je pense qu'il a une carrière vraiment bonne devant lui, pourvu qu'il garde sa tête sur les épaules et qu'il ne se laisse pas le succès l'enivrer. Mais il monte très très bien. On sent la motivation et on parlait avec Michaël Michel qui elle aussi travaille très très dur et on sent que pour l'instant c'est le mot clé, c'est que rien n'est gagné, un championnat c'est bien mais il ne faut pas s'arrêter là et puis quand on a la chance de monter un cheval comme Avdic et qu'on est dans la ligne droite, on va aller jusqu'au bout. Ça c'est sûr, enfin, j'essaie de prendre ma chance, aujourd'hui je pense que c'était ma meilleure monte de la journée, j'ai essayé de suivre les instructions à la lettre et le cheval a bien répondu, on a gagné la course. Et vous avez gagné de belle façon, c'était un beau rush final quand même. Oui, quand même, le cheval, il s'est battu jusqu'à la fin. Comme le patron a dit, il est un peu jeune encore, il regarde un peu, mais ça va être un bon cheval d'avenir. Bon, bah, très bien, bah, bonne chance, parce qu'on va bientôt laisser la place aux cavalières. Un dernier petit mot sur l'avenir de Maurice. On voit Jamir qui est très motivé, mais on voit aussi des jeunes qui viennent vous voir et des jeunes fans. Il y a un petit garçon qui est venu vous donner un dessin et une lettre. Oui, c'est touchant quand même, mais ça fait plaisir de donner un bon exemple, quoi. Très bien, merci beaucoup à vous. Et puis au petit Tessir qui est venu tout à l'heure surprendre Ricky Mingard avec un joli cadeau. Il portait aussi la casaque de l'écurie. Maintenant, place très bientôt aux cavalières de la Longines World Championship Pheasantry. Départ de cette troisième épreuve réservée aux cavaliers de la Pheasantry. It's My Party, sollicité par avec Social Network. Puis on retrouve Magic J. It's My Party tient le bon bout, Social Network. Attention, He's Got Gears a fait l'extérieur de Social Network. Ensuite, on retrouve Magic J, Captain's Command in the Trenches, Cash is King et finalement Fortissimo. It's My Party s'installe fermement en tête de cette épreuve maintenant. Deux longueurs d'avance sur Social Network, He's Got Gears, Magic J, Captain's Command un peu plus loin. On retrouve In the Trenches, Cash is King et Fortissimo. Donc pour l'instant, It's My Party entame très très bien sa course avec Teresa Garbav, Chico Vancel, It's My Party, Social Network. Donc garde le contact à Magic J, puis on retrouve He's Got Gears qui tente de se rabattre à la côte, Captain's Common, puis Fortissimo in the Trenches et Cash is King maintenant. Toujours en dernière position le favori avec It's My Party, Social Network. He's Got Gears, Magic J. Puis on retrouve Captain's Command, Fortissimo maintenant se rapproche in the trenches. Cash is King déjà sous pression derrière avec maintenant Social Network qui va accrocher It's My Party à l'entame du dernier virage. Social Network, It's My Party à l'intérieur. Social Network donc en pleine piste va se détacher avec It's My Party à l'extérieur. Il y a Fortissimo fidèle à son habitude qui termine très très bien. Social Network va résister à Fortissimo. Social Network, Fortissimo. Ensuite, on retrouve It's My Party et Cash is King, le favori qui finit quatrième.
édition de la Longines World Championship Pageantry of Lady Riders qui vient de s'achever. Eli Hainaut, le président de la Pageantrie, nous rejoint. Une édition incroyable et une première visite pour vous à Maurice. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que représente cette visite pour vous? Alors, une première visite est réellement tombé amoureux de l'île, la gentillesse de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, puis de la beauté bien sûr de l'île, et puis surtout je voudrais souligner de la qualité des courses. J'ai vraiment été très très fort surpris et charmé par l'hippodrome bien sûr, par le public, un public absolument extraordinaire. J'ai eu la chance de faire le tour du monde, de voir beaucoup d'hippodromes, vous aussi Fanny. Un public comme celui-ci, je pense qu'on n'a ni vous ni moi rencontré un tel public. Donc les chevaux sont top, l'hippodrome est top et le public est magnifique. Donc tout est réuni pour avoir des réunions magnifiques. Et puis le sport est au rendez-vous aussi. On a vu de très très belles courses et des cavalières très motivées, des cavalières qui s'entraînent. Ce n'est pas leur métier, on le rappelle. Elles ont un métier à côté, mais c'est leur passion. Elles traversent le monde grâce à la Pageantrie et grâce à un sponsor aussi qui joue le jeu. Alors on a la chance d'avoir un partenaire plus qu'un sponsor qui est Longines. Longines nous accompagne depuis plus de 5 ans maintenant, on va à nouveau nous accompagner pour 5 nouvelles années et nous avons la chance, je pense, d'apporter ce que moi j'appelle de l'oxygène aux courses. Vous savez, les courses, c'est un des rares sports pour lesquels il n'y a pas réellement la possibilité en tant qu'amateur de pouvoir pratiquer le sport. Et donc on a aujourd'hui des cavalières qui viennent du monde de l'équitation classique. Sur les cavalières qui étaient là, il y en a au moins la moitié qui ont monté pendant des années en concours complet, en dressage, et qui continue encore à monter aujourd'hui sur des concours de sauts d'obstacles. Donc on a cette filière qui vient du monde du cheval, mais pas du monde des courses, qui effectivement fait des études, qui parfois, même souvent, a un travail en dehors des courses, et qui peut assouvir sa passion, qui peut réaliser ses rêves, parce que c'est réellement ça, c'est réaliser son rêve que de pouvoir monter en course. Et on voit, c'est ce que me disaient toutes les autorités ici à Maurice, c'est qu'on voit une qualité qui d'année après année augmente. Et on voit des cavalières, vous voyez la gagnante aujourd'hui, vous avez vu le finish de la cavalière. Les deux premières, vous voyez qu'elles ont monté aux ordres. Je sais que les ordres de la Française étaient de venir en dehors, c'est ce qu'elle a fait. Alors c'était tout juste sur la victoire. Et donc on a des cavalières qui aujourd'hui montent presque aussi bien que les jockeys. Merci beaucoup en tout cas et c'est toujours un plaisir d'accueillir l'équipe de la Pageantrie. On va tout de suite retrouver dans un tout petit moment Jessica Vast qui vient de remporter l'épreuve et l'entraîneur Amar Siudal. Merci à vous. This is a day Jessica Vast may not forget for a long time and this is a weekend that this trainer next to me, Amar Siudal, won't probably forget for a long, long time. First of all, Amar, because I know you're busy and you have other horses, no, just a quick word on the ride and the win of Social Network, who wasn't trained by you last year but already won this race. He seems to like the women's touch. Yeah, that's true. He trained by Rashan B last year. This year he won my third race at my stable. I'm very happy for the owners. She listened to my instruction and she didn't have panic. She came to my stable on Thursday. I gave her one horse, Desert Fighter. He's a very difficult horse, very hard puller. He rode that like a champion. I say he's giving the rein and relax the horse. That time I knew that she can ride that horse because it's a difficult horse to ride. And no, I'm very happy she won the race and that's all. You were testing her a bit, weren't you? No, I have new horses to give her on Thursday. All the horses already have his gallop on Tuesday, you know. I just keep the horses a big first, that's all. Okay, we have to let you go because we know you have Jama in this race. A quick word on Jama? He's very well. I hope that he will do well. Okay, well, we hope for you for a sixth victory. Jessica, you come from Sweden. Can you tell us how you first became involved with horses? Oh, my grandfather was a big professional trainer in Sweden for many years. And my mom was also an amateur jockey. She's also been riding the Pageantrie. So I've been in horse racing all my life. What does this victory here today mean to you? Oh, a lot. I had a bit of unluck before in the tournament. I was sick in the beginning of the year and I've only ridden half of the races. So I knew I would never be able to win the championship. But to win the final was the second best thing you could do. So. A quick word on that finish, on that stretch, and the feeling of winning that race. He told me to go to front and answer everything that comes from behind. But the one who went to front were just going way too fast. So I tried to let him be alone behind that one. And going into the bend, I saw Teresa. She was off the bridle already. So I just started to tell him a little bit that, hey, man, it's time to go. And in the straight, he did all of it by himself.
Well, congratulations, and we hope to see you back again on the circuit in the future. You didn't get to ride the full year, so I really look forward to seeing more of you on the Longines Fédération World Championship of Lady Riders. Congratulations. Jessica Vest, winner today with Social Network. Départ de cette quatrième course, 1850 mètres à parcourir, avec Eurocleden, Novadoz à l'intérieur, Seven League Boots également, Eurocleden qui va essayer de se rabattre à la corde avec Seven League Boots. Il y a Edison avec ce cal à l'extérieur, Eurocleden avec Edison, Seven League Boots, Red Line Captain, en épaisseur Aymar. Il y a Jama qui n'est pas mal non plus, Overdose à l'intérieur, on retrouve Netflix à l'arrière, Olympic Bolt, Airveil qui ferme le cortège, les Chantem la montée, Eurocleden, Maxime Guillon qui tente visiblement de gérer à partir de là avec Edison, ensuite Netflix qui s'installe en troisième position, Seven League Boots, Aymar est pris pour l'instant en épaisseur, essayer de se rapprocher tout comme Jama, Redline Captain en beau parcours sur les barres, à l'arrière retrouve Overdose, Olympic Bolt, Vail ferme le cortège en pleine descente, environ 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Eurocleden et Maxime Guillon qui a une demi-longueur d'avance sur Edison, Netflix n'est pas mal en troisième position, Aymar par courte joueur difficile, Seven League Boots, Red Line Captain qui tente maintenant de se dégager de là. Jama va essayer de se rapprocher également. À l'arrière, il y a Avail, Overdose juste devant Jama. Avail, Olympic Bolt, la rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent avec Eurocleden et Mar qui commence maintenant sa descente à l'extérieur. Overdose lancé de loin par Nourish Joglal, également Jama dans son sillage. Redline Captain pris dans un tiroir dans la ligne droite finale avec Aymar qui attaque franchement. Eurocleden, Overdose lancé à l'extérieur par Nourish Joglal qui termine également en bolide. Eurocleden, Aymar avec Overdose qui va essayer de terminer à l'extérieur. Overdose, Eurocleden fait de la résistance. Overdose avec Aymar. Eurocleden, Overdose lancé par Nourish Joglal va aller s'imposer devant Eurocleden pour la troisième place. C'est pointu entre Aymar et Avail. Overdose monté par Nourish Joglal.
Félicitations pour cette victoire dans la quatrième course, le Best Group Souvenir Cup. Shirish Narang est parti sceller son prochain partant. Parlez-nous un petit peu de cette victoire avec Overdose, un cheval qui était très attendu. Oui, elle était très bien dans sa peau et l'entraîneur était très confiant qu'il va faire une très bonne course aujourd'hui. Et j'ai profité de mon 54,5 et les premiers couloirs. Quand j'ai sorti, je n'ai pas bounce mon cheval, mais je laisse lui sortir comme il faudra. Et il a perdu son position, je crois, qu'à première ligne droite. J'étais en courbe derrière que j'ai envie, mais à la descente, à 800 mètres, je commence à attaquer un peu et come through them to see where I can get the best position. And at the 600, I could find myself right behind the three wide, and my horse was traveling very good. And at the 400, I tried to put the pressure onto Maxim's horse, because I know with 59 to turn it on to a canter sprint will be hard. And it worked out for my horse, and I'm very happy. With a third victory, now you're head-to-head with Maxim Guyon. It's going to be a tough fight until the end. Any other good chances you have until the end of the day? I think I have a good chance on Trapload and Victory Team. I'm just hoping to have a good day, and we'll see after the last race what's the result come. At the moment, I'm just trying to ride as much winners as I can. And like I said, only after the loss, I'll decide if I win it or not. Perfect. Well, all the best to you. And now, c'est place. On laisse la place aux princesses qui vont défiler. Départ de la cinquième épreuve. Alors, un bon départ, style et manche, mais complètement à l'extérieur. Ice Run va tenter de se rabattre à la corde devant Trapload. Puis on retrouve style et manche. Belenos à l'extérieur, Alchiba, puis Muzi. Il y a le coursier de l'écurie à Marcy Oudiel, Bad Attitude, Bug et finalement Entrée. Donc, Ice Run va imprimer le train ici aux abords du Tombeau Malartic avec Belenos qui va tenter de se rapprocher. Trapload avait également mis un très bon démarrage à son compte, sans oublier Alchiba, la nouvelle unité qui précède le favori Bad Attitude. Style et March également bien placé. Bug et finalement Entrée avec toujours l'avantage. Ice Run, Muzi a couru en dehors sur pratiquement tout le parcours. Belenos, Trapload en embuscade. Puis il y a Alchiba qui va commencer. C'est maintenant à se rapprocher en menant dans son sillage style et marche. Bad Attitude également réagit. Bug et puis Entrée. Les chevaux sont à 400 mètres du poteau. Ice Run maintenant sous la menace de Muzi. Trapload. Regardez Alchiba qui maintenant passe complètement à l'extérieur sous la selle de Manuel Nunes. Bad Attitude également là. Alors Alchiba va tenter de rattraper Ice Run qui a toujours l'avantage. Ice Run repart. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Ice Run? Ice Run à l'avantage. Bad Attitude termine fort à l'extérieur. Bad Attitude, Ice Run, Bad Attitude. Ice Run de bout en bout devant Bad Attitude. Alchiba, ensuite on retrouve Bug, Steel et March.
Félicitations à Patrick Mervin, l'entraîneur gagnant de cette cinquième course, le Air Mauritius Cargo Trophy 2018 avec Ice Run et une très belle monte d'Aurélien Lemaître. Oui, super monte et j'avais dit d'aller devant et de ne pas hésiter, d'aller devant bien comme il faut. C'est un cheval qui aime courir comme ça, il aime courir, il n'y avait pas vraiment de vrai front runner, donc j'avais dit il faut que tu tiques ton pas et tu mets le paquet pour être devant et surtout tu gères après mais sans vraiment ralentir. Hein. Du reste, il n'a pas ralenti, le temps est là pour nous dire qu'il a vraiment fait une très très belle course et une très très belle montre d'Aurélien. Bravo Aurélien pour une deuxième victoire. On va faire vite parce qu'il y a le concours de Starry qui se prépare avec Madame Guyon et Lali, la fille de Maxime. Un petit mot sur cette victoire avec Ice Run. Très très bien, son entraîneur m'avait dit qu'il adorait courir devant, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis il s'est montré vraiment très dur quand je lui ai demandé sortie de tournant, il a remis un coup et il a été jusqu'au bout en cheval très courageux. Merci, bravo à tous et place au concours de Sarri. Départ de l'épreuve principale. Alors, Al Mariachi Horse Guards sollicité. À l'intérieur, il y a Victory Team. Al Mariachi Victory Team qui a l'avantage pour l'instant sur Al Mariachi Horse Guards en troisième position. Ensuite, on trouve Ernie Step to Fame. À l'arrière, il y a Prince of Thieves. Speed Limit à son extérieur. Semaine The Thinker. Puis, on trouve Aware et Seventh Plane. Les Phantom. La descente, 900 mètres à parcourir. Victory Team qui dirige les opérations devant Al Mariachi Horse Guards est en troisième position. Ensuite, on trouve Step to Fame qui joue de la tête à l'extérieur sur le monte de Maxime Guyon. Ernie qui y court bien caché. Aware va essayer de se rapprocher. Speed Limit qui est entre Aware et Prince of Thieves. Seventh Plane lancé par Michael Michel et The Thinker en dernière position pour l'instant. Aware qui continue son offensive et qui vient se placer même dans le peloton de tête avec Victory Team. Al Mariachi, Aware, Horse Guards avec Step to Fame. Speed Limit est lancé. Ernie, The Thinker va essayer de chercher le passage également dans la ligne droite finale avec Aware lancé maintenant à l'extérieur par Manuel Nunes qui va essayer de faire le trou. Al Mariachi et les autres ont essayé de revenir. Aware qui tente de prendre ses distances avec Horse Guards à l'intérieur qui revient. Horse Guards qui a dominé Aware et Horse Guards va aller l'emporter devant Aware, Ernie, The Thinker et les autres. Dwayne Dunn sur Horse Guards.
Dwayne Dunn and Pritam Devi for their win with Horse Guards in the Air Mauritius Bayonne Trophy 2018. Now, you rode a very a horse, there was a lot of confidence from the team, and he's a front runner, but you chose to adapt to the racing conditions. Tell us about your race. Yeah, it was one of those, a lot of confidence from people around me. They said that my best ride for the weekend, and we were happy to take up the lead if it was going to be presented to us, sit second if the horse inside pressed, but two horses cleared out. I was happy to sit third. The horse travelled extremely well. Always knew I had a lot in reserve. I just needed to get through the corner. Hopefully they opened up, and to the horse's credit, he really accelerated, and probably makes my job easier being sponsored by Air Mauritius for their lovely flight over here and enjoyable Mauritius weather that you've put on. You know, you've got two more rides to go, so we're going to free you, but congratulations on winning here in Mauritius. Thank you. It's a pleasure to be here. Thanks for everyone. What did you make of Dwayne's ride? Excellent. As he said, I told him to jump if he can lead, but there was some front runners in that, faster than him. So we say you can sit second and you wait for the straight, but that was excellent. He did a good job. And he's an incredible horse. I mean, he seems to have so much ability, and he can handle different distances as well. That's right. We did race him on a 1600 with weight for age, and he did not get beat so far. And I think he's a genuine horse. He can go anywhere. Well, definitely looking forward to the future with him. Before this, you still have runners in this next race. Tell us about your next chances. I'll get grade 5-8. I think the horse is well, drawn bad. Hope he get settled nicely. And I think if he ran a place, that will be nice. And we got Tumu Injection. He's genuine filly. He placed in a couple of run last time. I think she got a very good chance to win. The only filly, as I understand, training in Mauritius, so I'm definitely will be pulling for her. That's right. Well, that will be very nice if she win. Thank you very much. Back to you in the studio. Départ de la 7e épreuve, alors lutte pour le commandement, Royal Resolution bien parti avec Rebel Alliance, également Bonjour Baby, complètement à l'extérieur il y a Kimberley, Royal Resolution, ensuite Kimberley, puis on retrouve Bonjour Baby, Captain Moss, Rebel Alliance, Biometric, Desert Thief, Great 5-8, Prince Lateral et Boaz. Royal Resolution donc arrive à prendre seul la tête de cette épreuve avec Kimberley. Bonjour Baby, course idéale en troisième position. Ensuite on retrouve Captain Moss, Rebel Alliance bien retenu également par Dwayne Dunn tout juste derrière. Great 5-8 à son extérieur, Prince Lateral. Et puis on retrouve Boaz. Royal Resolution donc dans ces conditions, ce cheval tient sa chance. Mais attention Kimberley. Ne se laisse pas faire et revient sur son arrière-main. Il y a Bonjour Baby, Captain Moss, Rebel Alliance, Biometric, Great 5-8, Desert Thief, Prince Lateral et Boaz. Avec l'avantage toujours pour Royal Resolution qui va lancer le sprint final d'un moment à l'autre. Kimberley, Bonjour Baby, va se rapprocher tranquillement. Captain Moss également dans le coup. Derrière, il faudra suivre donc Biometric, Rebel Alliance. Prince Lateral va arriver certainement en épaisseur avec donc toujours Royal Resolution face à Kimberley. Bonjour Baby va accélérer à la corde. Est-ce qu'il aura le passage? Oui, Robbie Fred. Bonjour Baby à l'avantage ici et va disposer tranquillement de ses adversaires. Kimberley, Royal Resolution et Rebel Alliance. Bonjour Baby, course sans problème, sans histoire pour Robbie Fred.
congratulations to the winners of the Tulawaka Cup, trainer Raj Ramdin and Robbie Fraad. That was a victory that took a while to come. Yeah, it took about 10 races to get it, but big thank you to Raj. You know, prepared this horse very, very well. This horse just felt so good carrying down to the start, and I thought I'm in with a huge chance here the way he went to the start. So fluent, good action. He looked superb. But like Raj said, Raj gave me the perfect instruction, sit third, get him on the fence, and he'll do the rest, you know. Perfect. Well, we know you're riding one more race, so we'll let you go, but congratulations. And what about the crowd's welcome to you when you came back? It's always good, you know. They like we always say, it's like a national sport racing here. They love their racing, and just a big thank you to the crowd and the fans, and they made my season more enjoyable, and you know, all the best for them. They love their racing, they're passionate about it, and I'm just so happy that they, you know, they have they see us ride and compete against each other, so it's great. I think they hope to see you next year. Yeah, hopefully. Thank you. Perfect. Thank you. It'll be a pleasure. Raj, you had told us about Bonjour Baby. Je ne sais pas, je sais jamais si on se parle en français ou en anglais. N'importe. un petit mot sur la victoire de Bonjour Baby. Robbie, elle a très, très bien monté. Oui, mais comme vous voyez, Robbie était le jockey champion de cette année. Je crois que c'est un cadeau que je lui ai offert en étant des courses internationales. Robbie doit gagner une course. Et l'écurie Raj Ramdin aussi, c'est pas un week-end international si l'écurie Raj Ramdin ne gagne pas au moins une course. Oui, bien sûr. Mais c'était la chance que Robbie a eu cette monte. Et le cheval était très, très bien. J'avais entraîné Zantus et Bonjour Baby tous les jours, le matin, en premier, les deux ensemble et les deux en gain. Ouais. Okay. Et un dernier petit mot sur Calistien qui va maintenant courir. Calistien est un cheval un peu lazy au départ. Il faut qu'on le monte un petit peu au milieu. Il a fait du progrès à l'entraînement. J'espère qu'il fait une bonne course. Très bien, merci beaucoup. Back to you. Le dernier départ de cette saison, 1400 mètres à parcourir. Alors, Risky Rambo to Moon Junction, Golden Ball, Saracen King, Jet Parf. Ensuite, eh bien, on retrouve Napoli sur les barres, Ashford's Legacy à l'extérieur de Napoli dans le dos de Saracen King. À l'arrière, il y a Mr. Hardy et Calis Jump côté corde. Et puis, il y a bien sûr One for One sur les barres. Les chevaux vont entamer maintenant la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Risky Rambo avec Akshay Kumar qui prend 2-3 longueurs d'avance sur Two Moon Junction. Jet Parf évolue à l'extérieur, lui, de Golden Ball. Parcours compliqué pour Calis Jump en dehors. Saracen King dans le dos de Jet Parf. Napoli qui court bien caché. Ashford's Legacy qui évolue à l'arrière avec One for One à son intérieur. Mr. Hardy qui va essayer de contourner le peloton à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Risky Rambo qui a une bonne marge de manœuvre. Toujours de longueur d'avance sur Two Moon Junction qui revient maintenant sur lui. Saracen King est lancé de loin dans son sillage. Napoli, Ashford's Legacy qui sont également lancés à l'entame du dernier virage avec Risky Rambo. Attention à Saracen King à l'extérieur. Napoli qui cherche également le passage. Saracen King qui termine fort en dehors. Two Moon Junction est également là avec Two Moon Junction. Jet Parf n'est pas mal non plus. Saracen King à l'extérieur. Jet Parf qui termine bien. Two Moon Junction, Saracen King à l'extérieur. Two Moon Junction avec Mr. Hardy qui termine fort lui aussi. Belle arrivée, arrivée serrée.
peut-être remporte la dernière course de la dernière journée du week-end international, mais aussi la dernière journée de course. Une saison exceptionnelle pour vous. Et puis un cheval qui a un nom quand même pour réussir ici à Maurice, Mr. Hardy. Oui, c'est amusant. Il y a la famille Hardy, les deux frères, les enfants qui sont tous membres de l'écurie. Et Jean Hardy, mon grand copain, en Afrique du Sud, il a vu un cheval qui s'appelait Mr. Hardy. Il s'est dit, on va l'acheter pour la famille. Alors, pour les Hardy, il est arrivé assez tard, je crois en septembre. Et donc, on l'a mis à l'entraînement. Il n'a pas pu courir avant. L'opportunité s'est présentée aujourd'hui. Et on était un peu dans le dark. J'ai dit à Aurélien un peu toute l'histoire. Et on voyait qu'il était encore un peu green. Il est sorti des boîtes un peu de travers. Aurélien n'a pas paniqué. Il a eu quand même une course assez difficile dans la ligne droite. Il y a eu un passage au bon moment et une superbe fin de course d'Aurélien. Bravo. On va dire un petit mot Aurélien pendant. Et bravo à la famille Hardy. On va le dire. On va vous laisser aller à la remise de prix. Un tout petit mot avec Aurélien. Cette victoire avec Mr. Hardy, belle victoire. On termine sur le fil à un point de Maxime Guyot. Oui, tout à fait. On est second, on est bon second parce que hier ça s'est vraiment mal passé. On n'avait pas des bonnes chances. Aujourd'hui, on a eu la chance de gagner 3 courses. Malheureusement, Maxime a plus de place que moi, mais bon, on est premier second. C'était un bon week-end et ça m'a fait plaisir de venir. C'était très amusant. Si on vous le propose, vous reviendrez ? Oui, avec plaisir. Très bien, bravo, on vous laisse aller récupérer votre trophée. On retourne dans le studio, pas pour analyser la 7e course, mais avec Paul Williams, directeur général de Casella World of Adventures, un des principaux sponsors de ce week-end international. Du reste, on a conversé avec lui hier, on pourrait dire que ce sera la deuxième partie en ce dimanche. Bonjour Paul Williams. Bonjour. Alors, ça se passe mieux pour vous aujourd'hui après 6 courses? Ça se passe pas mal, personnellement et pour l'entreprise. Je crois que ça fait une belle exposition pour Casella et pour notre tout dernier ride. Et à la télévision, on a beaucoup vu votre message publicitaire, la pub qui est diffusée sur le Tulawaka. Dites-nous un petit peu plus, c'est quoi? Ça semble être en tout cas très sensationnel. Alors, c'est une sorte de coaster fabriqué par les Allemands. Toute la mise en scène était faite par nos équipes en intérieur, créatifs, que je remercie énormément. Ça nous a coûté pas loin de 50 millions de roupies. On peut voir jusqu'à 45 km/h, on peut freiner et on peut régler son vitesse. Donc c'est pour toute la famille, et pour tous les âges, sur 800 mètres de longueur. Et c'est basé sur une sorte de mine d'or en Tanzanie, d'où vient le mot Tulawaka, gold mine. Alors Casella World of Adventures, tout le monde le sait, du moins dans les affaires, vous faites partie du groupe Made In. Un groupe donc qui ambitionne à des projets quand même assez des grands projets d'envergure, entre autres la Smart City. Parlez-nous un petit peu plus de la vision du groupe Made In. Effectivement, depuis pas mal d'années, Made In, le groupe a travaillé sur son master plan avec son Unicity qui est son Smart City, basé sur 4 pôles et 4 piliers qui sont très importants, qui est un, le développement immobilier, que ce soit en location, en vente, bureau, résidentiel. Deuxièmement, c'est sur la pédagogie, l'éducation, donc avec les grandes universités, les grandes écoles françaises ou anglophones, ou les deux. Pôle de santé, évidemment. Le troisième, c'est évidemment sur le loisir, avec Casella World of Adventures, le golf, l'hôtel que nous avons à Marina. Et le quatrième, c'est évidemment l'agriculture. Tout le monde sait que ça passe des périodes difficiles, mais Made In a mis les graines, a semé les graines pour son avenir soit perduré dans la longueur et pour toujours. Alors, dans les années, du reste, moi, quand je me souviens de ma première visite au Casella, c'était un parc à oiseaux principalement. Vous avez procédé à un rebranding après quelques années pour passer au Casella World of Adventures. Dites un petit peu, comment est-ce que vous conjuguez les efforts pour maintenir votre position de leader dans ce secteur? En fait, dans notre métier de parc d'attraction ou de zoo, il faut toujours innover et toujours trouver des nouveautés pour que les gens reviennent. Il faut savoir qu'un Mauricien sur 4 sont venus à Casella. Ce n'est plus le petit parc à oiseaux que vous allez voir. Par exemple, l'année prochaine, nous allons avoir une walk-through cage de 8000 m². Donc les oiseaux seront presque en liberté. Et toutes les anciennes cages vont disparaître. Et on se modernise avec les nouveaux rides, les nouvelles attractions
pour encourager les gens de revenir. Donc c'est l'investissement tous les ans, constante dans notre métier. Un sur quatre Mauricien, vous venez de le dire, donc vous attirez une clientèle importante. Et hier, alors que je vous posais la question, pourquoi Casella World of Adventure s'associe au Mauritius Surf Club, vous nous disiez qu'il y a une importante clientèle étrangère. Mauricienne, étrangère, confondue, le client aujourd'hui est encore beaucoup plus exigeant. Alors, comment Casella Adventures jongle avec ce phénomène d'exigence du clientèle? Effectivement, et nous avons rebrand parce que Casella n'est plus le parc aux oiseaux qui avait commencé en 79. Mais c'est le seul endroit au monde, il faut que vous vous rendez compte, Kavi, c'est qu'on peut nager avec les dauphins le matin, fait une safari à dos de chameau à midi et de marcher avec des lions l'après-midi. Vous m'invitez la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Donc, ce sont des émotions et les choses que des gens ne peuvent pas faire dans leur pays, que ce soit par exemple pour les touristes. On ne peut pas faire ça en France, en Angleterre, en Allemagne. On peut interagir avec des caracals, avec des hippos. On peut donner un déjeuner aux girafes. On peut donner un petit déjeuner aux rhinos. Donc, ces moments émotionnels en famille, ce sont des souvenirs extraordinaires qui vont jamais, qui vont perdurer dans la tête des gens. Et c'est ça qui est important. Le Mauricien, lui, il aime beaucoup les animaux et il cherche aussi des thrills and spills. Il cherche le thrill. Et donc, Alpine Coaster répond à cette demande et que l'année prochaine, il y aura d'autres rides. Qui vont aussi émerveiller non seulement les Mauriciens, mais aussi les touristes. Parce que dans le reste du monde, il y a plus grand, meilleur zoo, meilleur parc à thème, mais Casella World Adventures reste unique dans le monde entier. Par rapport à l'expérience? Par rapport à l'expérience, par rapport à tout ce que nous avons à offrir, il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde comme Casella World. Alors, leader, c'est très 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 bien, garder cette position, peut-être c'est une autre chose. Et pour essayer de garder cette position, on ne peut pas s'en passer de l'innovation. Quels sont les nouveaux projets pour Casella World of Adventures? Alors, il y a plein de nouveaux projets à venir. Tous les ans, on doit investir des sommes considérables, des dizaines de milliers de roupies, afin de maintenir notre position et de ne pas perdre les repeaters qui viennent continuellement. Donc, il y aura des nouveaux rides, des nouvelles attractions, des nouveaux animaux. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais ça va être quelque chose de très excitant, je vous garantis. Paul Williams, merci beaucoup. On se revoit l'année prochaine. Un grand plaisir. Bonne fin de week-end à vous. Merci à vous. Donc, c'était le très sympathique Paul Williams, directeur général de Casella World of Adventures. Et justement, on va passer tout de suite à la pub de Tula Waka. I'm in love with you, money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love with you. Yeah, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah, are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Yeah, yeah, yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Yeah. Money fall on you, banana fall on you, Prada fall on you, cause I'm in love with you. Money fall on you, banana fall on you, paparazzi follow you, cause I'm in love, yeah, with you. If I offend you, if I offend you, because sorry oh baby take a to, sorry oh baby take a to. I'm in love with you, I'm in love with you, oh baby nothing of it to change amo. If I talk, then go say I dey talk. Tell me why then they use Panadol for our headache.
baby, no jump. They want to spoil our market, yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah, I don't wanna be a player no more. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Cause my guys call me Cristiano.